Salut tout le monde, c'est Player Gamer. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sword Art Online Fatal Butt. Donc c'est parti. Alors où aller? SBC Kluken, bien sûr. Alors je m'en trouve ici donc parce que je ne tourne pas à la suite cet épisode. Donc je le tourne le lendemain. Donc nouvel épisode, les amis. Donc la dernière fois, nous avons récupéré la deuxième pièce de l'Arphasis, si je me trompe pas. Et du coup, débloqué le nouveau trophée. Hein. Et on a vu aussi avec les trophées qu'il y a une dernière pièce à choper. Et après, ça sera le SBC Flugel. Si c'est ça le nom, il me semble. Donc, qui probablement, enfin d'après ma théorie, devrait être la fin de cette petite histoire. Et après, je pense qu'on passera en mode Kirito. Enfin bon, c'est qu'une théorie, hein, j'ai pas regardé. Donc, écoutez, on perd pas plus de temps. Alors, je regarde juste. Ah oui, j'ai des PP, c'est parfait. Alors, voyons voir. Je pourrais éventuellement utiliser à l'INT. C'est vrai que j'ai rien utilisé. En même temps, j'ai vraiment la flemme d'utiliser sur ça. Pression du cercle, ça peut être pas mal. Ou bien la chance. On va essayer de ramener un peu la chance. Enfin, on va mettre comme ça, voilà. On va essayer de ramener un peu la chance. Enfin, je sais pas si c'est achat, c'est ça, ça doit être chance, je crois. Mais j'ai un doute. Alors, l'Alphasis. L'Alphasis, pareil, 40. Alors, elle, on va mettre... Forcéenne, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. La précision du cercle, c'est vrai que ça craint un peu. Et on va mettre peut-être une petite chance. Voilà, on va faire ça. C'est juste l'INT. L'INT, je trouve que c'est vraiment de la merde. Franchement. À moins qu'il y ait un gadget vraiment qui est excellent. Pour le moment, c'est de la merde. Pour le moment. Enfin, on verra bien. Alors. C'est la fille que je n'aime pas. Zaliska. Alors. Que me veux-tu? Salut Ray, salut Player Gamer. Comment ça se passe pour vous? Vous progressez beaucoup dans le jeu? Ça se passe, je crois. Nous progressons lentement, mais sûrement. Ouais, je pensais bien que vous ne vous étiez pas aventuré trop loin. Au bout d'un moment, c'est plus difficile, plus possible d'avancer. Au petit bonheur, la chance. Ne traînez pas trop ou vous allez rater le déblocage du SBC Flugel quand la mise à jour arrivera. Ah, tu tiens toujours à trouver tes autres pièces et à restaurer toutes les fonctionnalités de base, pas vrai? Je sais, c'est dur de dire à la personne qui te commande d'aller plus vite. C'est quand même elle qui décide. D'accord, j'arrête de te titiller, mais laissez-moi vous donner un conseil. Les pièces de Rei sont éparpillées au-delà du désert des ruines. Il va falloir libérer les autres zones pour toutes les récupérer. Ouais, c'est ce que je comprends. Et pour libérer une zone, il faut la libérer de son boss, Fastoche, pas vrai? Oui, Ez. Dit comme ça, ça a l'air tout simple. Enfin, battre les boss, c'est plus facile à dire qu'à faire. J'insiste, la chance ne vous suffira pas pour triompher, mais la victoire vous fera aussi gagner le respect des autres. Commence d'abord par vaincre le boss du désert des ruines, et quand il ne sera plus une menace, je te conseille de libérer, voyons, les sablons solitaires. Ah. C'est déjà un bon début. Maintenant, Rei, sert fidèlement ton maître, d'accord? Ah, elle a donné une bonne piste. Ah, apparemment, il y a une deuxième map. Bon, tu as entendu la dame, maître, on doit vaincre le boss de cette zone et libérer les autres. Alors là, il y a un bug avec les cheveux de Rei, mais bon. Je sais que tu es encore en train de prendre tes marques ici, mais je pense que tu as assez de force pour cette mission. Je crois en toi, maître, tu vas casser la baraque. Les sablons solitaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une nouvelle map ou est-ce que c'est une zone du désert? Battez le boss. Ah, battre un nouveau boss. Bon, on va voir, est-ce qu'on a le niveau? Parce que si on n'a pas le niveau, ça risque... Oh putain, ça risque d'être compliqué. Hein. Niveau 13, ça a monté de niveau. Et je m'y attendais. Ah bah, je suis niveau 13. Ah bah, quelle chance. Et Alphasis, ça doit être comme moi, je pense. Ouais, niveau 13. Oh bah ça, on a tout pile le niveau. Alors juste, on va regarder, parce que vu que j'ai récupéré la pièce, peut-être... Je dis bien peut-être que l'armurerie a changé. Genre potentiellement... Il y a potentiellement autre chose. Alors c'est vrai qu'un fusil à pompe pourrait être vraiment pas mal. Bon, je sais pas, on dirait que des armes basiques. On dirait que des armes basiques. Non, ça a pas du tout changé. Alors, on va acheter des balles de fusil à assaut, clairement. En plus, on est blindé, donc pourquoi pas. Voilà, pour pas tomber en rade, un bon 30 000, c'est parfait. C'est impeccable. C'est vrai qu'il y a ce fameux bikini marin, 1 500 000. C'est waouh, waouh. Alors je sais bien hein, que je dépense mon argent au fur et à mesure les amis, mais réunir 1 500 000, il faut le farm. Hein. Pour le coup,
Parce que mon argent tourne à peu près dans les 70 000, donc je sais pas. Je trouve qu'on est quand même très très loin. Hein. Alors ça, ouais. Alors ça, la trouille, j'ai toujours pas trouvé comment me l'équiper, en fait. C'est assez embêtant. Alors. Bon, après, placer devant vous un écran que vous protège des attaques. Ouf. Après, c'est pas très intéressant. Après, c'est des poignards, mais c'est pas intéressant. Non, bah écoutez, on va essayer. On va essayer, on sait jamais. Alors, est-ce qu'il y a une potentielle quête secondaire? Peut-être. Enfin, une histoire plutôt. Parce que. Il n'y a pas de quête secondaire en fait. Enfin, si, mais je crois qu'il faut. C'est les quêtes vraiment. Les quêtes pour farm, quoi. C'est les quêtes vraiment pas intéressantes. Bien. Bon, bah écoutez, les amis, nous sommes partis. On va aller affronter le boss de la zone. Boss de zone de la grotte du désert des ruines. Je doute qu'on va trouver une pièce là, mais on sait jamais. Sait-on jamais. Balle fantôme 3. Et petit conseil en bas. Ça peut être pratique des fois. Hein. Des fois, ça donne de bons conseils. Hein. Veste de dresseuse. Et du coup, ouais, pour le sujet détenu, ça a toujours pas bougé. Mais c'est vraiment dommage que l'armurerie, elle s'actualise pas. Moi, je m'attendais vraiment qu'elle allait s'actualiser là. Et au final, c'est les mêmes trucs. Donc bon, écoutez, on va essayer de prier pour avoir un bon truc. Alors par contre, attendez, je peux peut-être... C'est vrai que j'ai pas regardé mon équipement, mais... Peut-être que j'ai chopé une bonne arme, non? Depuis le temps. Un bunker orbital. Ouais. Ouais, mais bon, on a toujours pas mieux qu'une épique, quoi. C'est un truc de fou. Je peux pas avoir une autre épique, parce que... Bon, après moi, ça me dérange pas, hein. Le FA de type Midou est vraiment bien. Bon, bah bref, écoutez, on va rester comme ça. Alors, on va regarder juste la map, si vous voulez bien. Ah ouais, tout au fond. Ah oui. Comment je place un marqueur? Putain, je le sais jamais, ce foutu marqueur à la con, je le sais jamais. Comment je le place? Voilà, parfait. Paramètre à destination, voilà. Nickel. Bon, écoutez, on est parti, on va vraiment au fond du désert, là, donc pourquoi pas. Bon, eux, je sais que ça sert presque plus à rien de... Ah, il a monté de niveau, lui. Ça sert plus à rien de les battre, mais bon. Bon, et bien c'est parti. Hein. Alors là, cette fois, pour pas me retrouver en pénurie de balles, hein, comme il est arrivé la dernière fois, les amis, cette fois je vais utiliser que le. Enfin, que pratiquement l'épée. Donc vraiment pratique d'avoir une épée. Hein. Franchement, c'est encore plus pratique pour ça, comme ça use pas de balles. Ça use rien du tout. Et contre les ennemis comme les scorpions, là, c'est parfait. Civilisation disparue, ville. Voilà. Ah, dégage. Oula. Ah. Tu vas t'en sortir, Kira, tu vas t'en sortir. Mais en vrai, faut vraiment tout faire. Sinon, vous pouvez pas muter une arme. En fait, je devrais améliorer la chance pour les lutins. Je vais vraiment le faire. Donc, prochaine fois que je monte de niveau, les amis, j'augmente la chance, mais d'une puissance intercédère. Je suis sérieux, hein. Je vais l'augmenter d'au moins... Oh, je l'ai fait en one shot. Je vais lui faire un crit. C'est même obligé. Aïe, aïe, aïe. Oh, un ennemi joueur. Ah bah merde. Ah, un ennemi. Un joueur ennemi. Il est 14 en plus. Il est de mon niveau. Ah, je savais pas que je pouvais avoir ça. Oui, bien. Ah, soit lui. Ah mais merde. Ah mais s'il soigne à chaque fois ça va le faire hein. Tiens. Voilà.
Tiens. Voilà. Ça doit rapporter pas mal d'XP, eux. Ah putain. Bon, l'épée, ça a ses limites hein, contre les joueurs. Merci de m'avoir soigné. J'attendais que ça, justement. Que vous me sou... Qu'ils allaient me soigner. Des insectes trop durs. Ouais, c'est des petits insectes. Ah, cette merde. Oh là là. Ah, niveau 18, ça rigole plus. Voilà. Alors on va se faire de l'XP là, les amis. On va se faire de l'XP. Je sais pas, ça va être violent. Bon, après j'arrête de farm, les amis, je vous rassure. Je termine juste ces ennemis là et après c'est bon. Voilà. Allez, c'est bon, sprint. Voilà, ça je prends. Je me demande si j'ai chopé une petite arme, non ? Des balles, ouais. Ah, j'ai chopé encore des balles. Sympa. Oh, il y a un coffre là. Oh, celui-là, il me le faut. Voilà. Objet non identifié. Putain, il faudrait vraiment que je les identifie, ces objets. Oula. Putain, des joueurs. Ah, ça va être compliqué. Bon. Je sais, les amis. J'ai dit que j'allais pas utiliser le Fatigue Nidou, mais là, c'est un cas de force majeure. Ok, alors vas-y, ça encore là. Faut juste que j'aille une la mouche. Tiens. Voilà. Bon, maintenant les joueurs. Faut que je m'occupe des joueurs. Voilà. Ils sont coriaces, les joueurs, hein. Les joueurs sont très très coriaces. Ok, nous y sommes, les amis. Voilà la grotte. Parfait. Une grotte. C'est bien, ça change, hein. L'autre coup, c'était un labo, maintenant, c'est une grotte. Écoutez, écoutez, nous sommes partis. Allons-y faire cette grotte. Allons voir ça. En tout cas, on va se faire de l'XP. On va se faire pas mal d'XP, hein. Je pense qu'on va peut-être, quand on sera mort, enfin, quand on aura fini ça, ou si on est mort, je pense qu'on montera peut-être de deux niveaux, hein. Peut-être. Parce que là, on a fait du beau fight. Bon. Entrons dans cette grotte. Ok. Voilà. Voilà. C'est ces drones. Voilà. Ça c'est fait. Et maintenant c'est parti. On va se régaler avec notre épée. Oh, ça brille. Oh, petit trophée. On va regarder vite fait. Oh tiens, une arme. Quoi? Non, arrête. J'ai une arme légendaire. Wow. Oh, 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 sarcasme. Oh là, les amis, là. Si je peux l'équiper, je crois que ça va être violent. Sympa. Petite arme légendaire, là. Finalement, ça valait le coup d'augmenter la chance. Alors, voyons voir ça. Alors ça, le FAT... Alors, où est l'arme? Dis-moi qu'elle est là. Rapier SBC. Insolite. Ah non, elle est non identifiée. Non, arrête. Arrête. Ah ouais. Une arme légendaire. Je peux le voir où? Dans les objets peut-être.
Ah, c'est ça. J'en ai eu deux, les amis. Oh, lui, faut jamais. Oh, lui, franchement, les amis, je vais taper des recherches. Il faut vraiment que j'identifie, lui. Oh là là, un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut légendaire, les amis. Oh là là, oh, il va être violent. D'une puissance intersidérale. Bon, c'est pas grave. On va faire avec d'abord notre F1 Midou. Je pense qu'il sera suffisant. Enfin, j'espère. S'il n'est pas suffisant, ça va être un peu compliqué. Merde, je suis à terre. Voilà. Ok. Tiens. Ah, c'est bien qu'on affronte des ennemis plus puissants. Oh non, mais les amis, un fusil d'assaut en légendaire. Waouh. On va se faire plaisir. On va se faire plaisir dans le prochain épisode, je vous le dis. Ça va être un délire. Ah, une petite arachnide. Allons voir ça. Tiens. Bon, déjà, il faudrait que je trouve Liz, en fait. Ouais, je trouve Liz bête, mais je sais pas où aller. Je regarderai. Ah, ok, fallait tuer tous les ennemis. Ok. Bon, ça, c'est plutôt chiant, les amis, parce que si je perds, il va falloir que je retape ça, en fait. C'est plutôt embêtant. C'est quoi ça? Wow. Oh, on se fait gangbang. Il y a trop de monde. Ok, ça c'est fait. Merde, vas-y, c'est pas clair. Moi je peux pas la soigner là. Voilà. Vas-y, je vais la soigner vite fait. Je vais essayer. Oui, c'est bon, ça marche. Par contre, si l'alphasis pourrait me soigner, ça serait pas mal. Voilà. Ah, on a fait un beau travail d'équipe là avec Victoria. C'était pas mal. Voilà. Et encore. Il y en a encore. Des aimants. Ah, j'ai mis un crit. Allez à l'attaque. Oh là là, on va monter de niveau, les amis. On va prendre une ascension fulgurante là. Hein. Jamais tué autant d'ennemis. Allez, tiens, voilà, encore un de moins. Bon, j'adore ce que le boss... quel boss c'est, les amis? J'espère que c'est un ennemi à terre. Un boss à terre pour pouvoir utiliser un peu l'épée. Mais bon, nous sera principalement, je pense, notre F1 Midou, hein, c'est pour ça qu'on te préserve. Bon, ce qui fait plaisir, c'est que au cas où, si j'y arrive pas, j'ai quand même une arme légendaire à faire identifier. Oula. Là, c'est marrant, ça, c'est un nouveau. C'est vrai que je peux faire ça avec eux. Et là, il est inutilisable. Voilà. Ah merde, là, il est tombé. Je m'en doutais que ça allait m'arriver. Faire gaffe à lui. Allez, on y va. Ah mince. Ah, il faut que je l'ai tué. Ah putain, je suis mort. Non, tu auras, meurs pas. Ah là, vas-y, je vais mourir. Ah,
Oh. Ok. Putain! Quel enfoiré! Ils sont un peu chiants eux. Bon déjà on va tuer lui. Lui on va se le faire. Voilà. Ça j'ai 5000 balles, c'est pas mal. Ça devrait être largement suffisant contre le boss. Ah oh, bien joué, on a tué un. Ok super. C'était encore une porte où il fallait tuer les ennemis. Ah non, il fallait surtout tuer les deux. Les deux chiants là, je pense. Enfin, c'est bien ce qu'on voit encore du nouveau. Des nouveaux ennemis. C'est plutôt cool. Ça change un peu. Donc là on a vu un petit. Un soldat avec un bouclier. Donc qui était pas très dangereux. Et là on a vu deux soldats, enfin je sais pas, deux soldats un peu joueurs en fait. Genre un peu. Ouais, c'était pas mal eux. C'était pas mal du tout. Ça c'est quoi ça? Ah c'est des balles, ok. Je pensais que c'était énorme mais c'est des balles. Merde, m'a vu. Il m'a vu. Ah putain, je n'ai tué aucun, quel con. Mais quel con. Et vous là, vous arrivez quand? Putain, ils font chier, c'est qu'ils arrivent à la toute fin. Oh là là, curage, ça fait. Oh, c'est la fin. Non, on va perdre. Pourquoi l'Alphazi, ça l'a mis 10 ans? Pourquoi ils ont mis 10 ans à venir? Ah, ça peut le faire. Ah, d'accord, c'est encore à queue. Là il va falloir jouer strat. Là il va falloir jouer très très stratégique. Oh putain. Mais what? Mais ils étaient trop chauds les amis. Oh. Mais ils étaient trop chauds. Bon bah c'est pas grave, je vais faire une ellipse les amis. Ah cool. Une cul soit un anneau de promesse. Voilà, deux niveaux on a monté les amis. Je vous l'avais dit hein. Un niveau pour Kura et deux niveaux pour la police. Ouais, bon les amis, je fais une ellipse et on se retrouve juste après, donc du coup je vais regarder le truc avec Lisbeth, donc je vous dirai quoi. Allez, à tout de suite. Re tout le monde les amis, alors je suis avec Icarus pour cette fin d'épisode. Bonjour. Parce qu'en fait les amis, j'ai farmé mais d'une puissance intersidérale, franchement, j'ai gagné au total 10 niveaux les amis, enfin à peu près 9 niveaux, voilà. J'ai au 22. J'ai augmenté la force, l'endurance, tout ça. J'ai utilisé le vent violent. Franchement, je suis mort un milliard de fois. J'ai vu aussi que je pouvais enlever la bague et le cache-œil. Donc c'est plutôt bien. C'est vraiment bien qu'ils ont fait ça. Donc comme ça, c'est parfait. Je peux m'équiper de ça. Et ouais, c'était très 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 chaud. Pareil pour l'Alphazis. Hein, l'Alphazis, j'ai augmenté son niveau. J'ai aussi son équipement. Donc j'ai mis deux guns. Voilà, comme ça le switch. L'écouteur, pourquoi l'écouteur j'ai mis là? Voilà, comme ça. Et je vais équiper, voilà. Donc du coup là, je vous retrouve ici les amis. Juste devant ça, alors j'ai pas affronté de boss. Donc je pense que le boss est après ça. Je pense, ou peut-être qu'il y en a pas. Avec un énorme coup de chance, mais je crois pas, honnêtement. Donc c'est parti. Alors où est-ce qu'il va m'emmener, je ne sais pas. En fait, qu'il y ait pas de boss. Ah non! Ah voilà, allez dans la zone du boss. Ah bon, j'espère que si je perds les amis, je suis devant le boss, parce que si je me retape tout, ça va être chiant. Ça va être très très chiant. Ou j'espère bien sûr le tuer sans trop de difficultés. Parce que je vous rappelle que c'est un niveau niveau 13, niveau recommandé niveau 13 hein. Alors je suis niveau 22, donc je vous cache pas que le niveau 13 nous ont un peu menti sur les bords hein. Bon, t'es niveau combien, 20, 30? Bon. Le boss arrive très prochainement. Bon, je pense que ouais, il y a peut-être moyen qu'on se fasse téléporter ici. Enfin, j'espère. Sinon, je pleure. Il est là, le boss? Ah, oui, il est après. C'est quoi ça? Son actuel est enregistré. Ah! Oui! Oh, merveilleux! Merveilleux! Bon. Allez, c'est parti.
Let's go. Ok, le dézingueur. Niveau 25. Bon, c'est normal ça. J'ai toujours affronté le boss niveau 25. Wow. Par contre, il me target un bah, peu. Tu tournes et tu baisses les figurines. Ça serait bien, ce serait aussi facile, mon petit Orléans, ce serait facile. Ouais, mais non, il faut que j'attaque. Donc, ouais, tu peux me faire. Ça va, c'est pas mal, ouais. Ouais, franchement, c'est pas mal. C'est pas comme dans Saulo. Juste, on fait pas de faux pas. C'est pas comme dans Saulo. Ah oui, à savoir, là, c'est fait. Je n'ai aucun dégât. Ah, putain, ouais. Ouais, ça va, il fallait être au niveau 500 pour un petit jeu un peu de dommage. Oula, j'ai un peu subi là. Faudra me soigner là. Bah, il était à 1 PV. Ah bah ouais. Alors là, les filles, ça serait pas mal de me soigner. Voilà, Alpha 10. Putain, même pas. Je vais crever. Non, je sais pas comment faire. Ouais, ouais. Bah, c'est de la merde en fait. Bah, si. C'est... Non mais vraiment, mes sorts sont mieux lâchés, mieux ouais, puissance, c'est incroyable. Vraiment. Je suis mort. Oh là là, bah elle est aussi à terre. Ouais, je crois que c'est la fin. Bon, c'est pas grave. Bon, passe. Bon. Ah oui, bon mec, je pense que honnêtement... Si, si, j'ai le niveau. Wow. Je vais pouvoir le battre. Faut que je l'étudie, mais je vais pouvoir le battre. Ah, lui dur. Ah, lui dur. Ah ouais. Ouais. Ah là, bah là je suis mort. Hein. Oh, oh putain. Elle a survécu ou pas? Elle a survécu. Yeah. Non moi je veux l'avoir lui donc tu vas voir. Et ouais pas de choix. Vraiment je m'en quand même. Bon salut. D'habitude il me soigne là. Jusque là je sais pas pourquoi. Ah putain. T'as le niveau t'es sûr? Oui oui j'ai le niveau. Ah, t'inquiète. Bah c'est bien. Non non non. Très bien là. Bah très bien non. Très bien, je l'aurais déjà tué. Ah ouais honnête. Ça passe comme sur des roulettes. On va dire ce qui est, mais là pour l'instant, ça va encore. C'est pas perdu en fait. Mec, j'arrive pas à esquiver sa merde. Il y a pas de... Ah. Tu vois? Bon, je me prends le but. Si, regarde. Parce que je connais son point faible. Il est mid life. C'est wow. Pas mal, hein. On se démerde bien. Alors, désolé si je parle pas trop, donc je te laisse faire l'animation, monsieur Icarus. Alors, l'animation, vous pouvez voir que le boss s'appelle le dézingueur. Là, putain, on dirait comme ça sur OMD. Un logo à côté de lui, c'est quoi? Baisse de défense. Ah non, je sais pas du tout. Baisse de défense, je ne pas le dire. On dirait que t'as un développeur de la team. C'est possible, mais de toute façon, je peux pas changer ma team. Enfin, en tout cas, je sais pas comment faire au pire. Ouais, mais c'est normal, ça. Ils sont tous niveau 25 les boss, j'ai l'impression. Ouais, genre, j'ai pas lu un boss niveau 50 ou autre. Là, là c'est un viol pour un son de boss, hein. Tes alliés sont full life. Ah parfait, tu vois là ça se passe bien. Là ça se passe très bien. Il attaque n'importe comment, il perd tous ses moyens. Il est en train de tilt. Tu peux pas lui voler son truc là en bas. Et non. Machin, genre là tu sais tu l'arraches, tu veux dire que toi. Et attention la fin. Et là tu sors l'épée. Mais non, je l'ai pas. Enfin je l'ai pas mise. Et voilà. Yeah. Vaincu. Yes. Yeah. Tu leur as dit combien de temps ça fait que t'es dessus? Oh bah ça fait bien 2 heures que j'étais dessus les amis. Donc ça fait plaisir enfin que ça porte ses fruits. Donc du coup je vais rééquiper mon épée si vous voulez bien. Kamigitsu. Voilà. On vite fait l'épée. L'épée de Kyoto. Hein. Tout simplement. Je suis un peu déçu, ouais. Je m'attendais vraiment à une nouvelle épée, tu vois, et non. En métal? Ouais. Non, mais au moins, laissez le choix de la couleur, quoi. Enfin, genre... Bon, est-ce qu'on en a enfin conclu? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Mais attends, c'est pas ce nom-là qu'elle a l'épée de Kirito dans Memories of Fred? Non. Non, mais pourtant, c'est l'épée de Kirito. Enfin, de ce Kirito-là, en tout cas. Ouais, j'ai oublié comment elle s'appelle. Bah, si, elle s'appelle peut-être comme ça. Non?
Ah si, elle s'appelle peut-être comme ça. Le Kirito GOV1 et V2, ils ont la même arme ou pas? Ouais. Non, je crois qu'il y en a une qui est en or, non? Non. Bah, les deux sont en or. Les deux sont en or? Bah ouais, je crois que moi, c'est le même nom, ouais. Je pense. Ah! Oh, bah du coup, une nouvelle map, les amis. Une nouvelle map. Ah ouais, c'est une nouvelle map. Ah ouais. Ah putain, ouais, magnifique. Non. C'est une nouvelle map. Elle s'appelle pas Kamigetsu. Ah. Elle s'appelle Tsukigage. Ah, je me disais bien, c'est un nom jap. Ouais. Et du coup, j'ai plus de quête. Rendez-vous sablon solitaire depuis la grotte. Bon, bah du coup, j'y suis. J'y suis. Alors, par contre, on va juste explorer vite fait. Juste voir. On dit un oasis. Bon, on l'explorera plus tard au prochain épisode. Donc, merci d'avoir regardé cet épisode, les amis. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à partager la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour la suite. Bye tout le monde. Bye.